te dis à toi, Tiesco. Voilà, parce que Tiesco, il faut que je te dise. Tiesco, je vais vous dire aujourd'hui la vérité. Voilà, Tiesco, dans le fond, ce n'est pas celui, il n'est pas membre de staff de DJ Congélateur. Non, en aucun cas. Au début, il nous a dit qu'il est son parrain, il va être le parrain de l'enfant, tout et tout. On a remarqué que c'est comme c'est la photo, c'est le buzz, tout et tout, tout et tout. Que tu fais, on ne parle pas. Mais je vois, tu fais encore une sortie, tu fais une vidéo là, où tu parles de. J'ai beaucoup de respect pour tous les artistes de la Côte d'Ivoire, surtout les artistes qui sont en train de se chercher. Bébé Saros demain, il a parlé de Didier Moisco, voilà, Didier Moisco qui est un très grand artiste ivoirien, que nous tous nous respectons. Voilà. En soi disant qu'ils doivent rentrer dans le staff de DJ Congélateur pour qu'ils puissent venir en Europe. Tiesco, il faut arrêter tes foutaises. Parce que nous, on ne parle pas en terrain. Il y a des dieux sur ce monde après. Sinon, là, on n'a pas peur de toi. Il y a quoi? Alors, ton dossier est trop lourd même. Ça fait combien de gens te cherchent dans Paris là? Tu ne viens pas, non? Tu ne te promènes plus à eux, non? Tu t'es pressé de venir à l'aéroport. Tu pensais qu'on allait jamais venir en France. On est venu en France, on a tout vu la vérité. Mais ça, c'est le loup papo, ça arrive. On n'est même pas pressé de toi. Je vais te dire, Dieu qu'on l'appelle n'est mêlé en rien dans tous tes propos que tu viens de faire. À travers Bébé Sans Os et Dieu et moi, que nous avons beaucoup de respect pour ces artistes ivoiriens qui sont encore là qui se battent. Ne mêle pas ces artistes-là dans notre staff, parce que tu ne fais pas partie du staff. Un matin, tu t'es levé ici, tu dis non, je quitte le groupe. Je quitte le staff. Depuis quand tu es dans le staff de DJ Congélateur? Depuis quand? Donc, tu nous arrêtes ce que tu es en train de faire et ton papa est là, c'est bien lourd. Voilà. Donc, on ne parle pas beaucoup, hein? Mais affaire à suivre dans ces deux jours-là, tu vas comprendre. Et je vais dire à tout le monde, hein, à partir d'aujourd'hui, Tiesco, arrête de faire les vidéos et mettre la photo de l'enfant, quoi que ce soit, tout ce que tu fais là. Tu nous arrêtes ça parce que. Le staff de DJ Congélateur, je vais dire, du producteur au manager, au directeur artistique, et tous les membres du groupe, nous te disons aujourd'hui, Tiesco, nous on te dépose. Voilà, on te dépose parce que tu n'as jamais fait partie même du groupe. Voilà, tu n'as jamais été dans le staff. Toutes les décisions qu'on prend, c'est pas toi. Quand nous parcourons toute la Côte d'Ivoire, au risque de notre vie, tu n'es pas là. Même quand tu quittes en France, tu viens de faire quoi? Tu n'as pas payé son loyer. Alors c'est quoi? C'est parce qu'on ne parle pas. Donc ça le buzz quoi. Tu prends le nom de l'enfant, tu insultes d'autres artistes. C'est quoi? Donc tu nous arrêtes ça. Et je vais te dire, DJ Congélateur, il a des danseurs. Voilà. Je vais parler de Tomate. Je vais parler de Chao Mao. Voilà. Qui sont nos danseurs. Voilà. Et qui sont avec nous, qui travaillent. Inch'Allah. Un jour, eux tous verront l'Europe. Donc, c'est pas toi qui envoie DJ Congélateur en France. Tu t'es pressé de venir à l'aéroport comme si c'était toi qui l'avais envoyé en France. Tu n'as rien fait. Même la négociation pour trouver le contrat, c'est pas toi. C'est nous, Abidjan, qui on a trouvé ça. Donc, tu te calmes. Voilà, je ne vais pas trop parler. Nous, on a peur de Dieu. Sinon, toi seulement, on n'a pas peur de toi. Voilà. Et puis, ce que tu as fait en France, là, sur l'enfant, là, c'est beaucoup de choses, hein. Mais ça va sortir. Tout va sortir. Tu vois, à toi des chaises, ça va comme des jours, tu ne viens pas, non? Quand t'as peur, tu ne viens pas. Mais on va régler ça. Ce que tu allais faire là. Nous allons régler ça et toi. Voilà. Tu ne fais plus. Tu n'as jamais fait partie du staff. Tu nous as dit que tu es le parrain, c'est ton beau petit. Tout et tout, on ne parle pas. À chaque fois que tu fais les photos, tu fais ton buzz avec lui. Nous, on ne parle pas. Pendant que nous, on est en train de se battre. Toi et ta femme Lolo, vous dites que non, il est dans panne. En France, c'est juste cela que nous on a bien ici. Tout ça là pour toi avoir ton buzz, avoir tes vues. Voilà. Mais ça suffit. Arrête de coller ton image à l'enfant. Nous on te dit maintenant à partir d'aujourd'hui, et puis je mets quiconque au défi. Regardez maintenant, vous allez voir. À Paris actuellement, si Tiesco peut faire encore une photo même. Elle dit que si peut s'arrêter même à côté de lui encore, c'est fini. Au niveau de là-bas, on t'a fermé aussi autour de l'enfant. Tu ne peux plus t'approcher. On sait réellement qui tu es. Voilà. Donc, je ne veux plus parler. Ciao, ciao pour les lourds dossiers qui arrivent.